Les tout petits inspirent les développeurs du Consumer Electronic Show de Las Vegas. Robots, livres connectés, on voit ça tout de suite. Cette appli, elle est dingue. Elle permet de transformer n'importe quoi en un jeu vidéo. Par exemple, les nounours. On les dispose sur la table et grâce à l'appli, ça devient un jeu vidéo. Du moment qu'on a des couleurs, c'est possible. On peut aussi être créatif en dessinant des avatars. Et ces avatars, on les rentre dans l'application et tout de suite, ça devient un jeu vidéo. Donc c'est absolument dingue parce qu'avec n'importe quoi, du moment qu'il y a des couleurs, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, on peut en faire un jeu vidéo. Je vous présente Emis. Les enfants vont l'adorer. Ils vont adorer apprendre avec lui. Ils vont adorer jouer avec lui. Et Emis, c'est super sympa parce qu'il n'est jamais de mauvaise humeur. C'est vraiment le super bon prof. Voilà, je vous présente Royby. Royby, c'est pas elle. C'est lui, c'est un robot éducationnel. Il fait partie des innovations, des 100 innovations de l'année sélectionnées par Time. L'originalité de ce robot, c'est qu'il s'adresse aux enfants, mais il utilise aussi l'intelligence artificielle et il tient compte de leur progrès pour faire évoluer les leçons. L'orthographe, ça a été un problème pour beaucoup. Comment apprendre à écrire d'une manière ludique? Eh bien, grâce à la combinaison en fait de petites cartes et de cette application, maintenant on a résolu le problème. On a bien écrit Sky comme il faut, on a une belle image de ciel. Comment raconter leur histoire favorite à vos chères petites têtes blondes? Eh bien c'est facile maintenant et c'est possible surtout grâce à Bookinou. Alors Bookinou, c'est une liseuse audio. Vous allez enregistrer vous-même l'histoire sur Bookinou. Papy, mamie peuvent aussi enregistrer l'histoire, des histoires sur Bookinou. Et quand l'enfant va rapprocher son Bookinou de son livre préféré, eh bien l'histoire va se déclencher. Et même si vous êtes très très loin, comme moi, au CES aujourd'hui, eh bien vous allez pouvoir raconter une histoire à vos enfants.